église mon nom est Ralph et je suis un des pasteurs de notre belle église accompagné là d'une fantastique équipe ici au portail j'espère que vous allez bien écoutez sans plus tarder là, j'aimerais qu'on puisse tout de suite là s'approcher puis euh, pencher nos regards là sur une histoire euh, bien connue euh, de la Bible, hein, de, vous savez de tous les livres euh, de la Bible, ceux qui, qui me fascinent le plus personnellement sont les Évangiles parce que euh, à l'intérieur de ceci, je peux observer, euh, je peux voir et analyser ce personnage qu'est euh, Jésus. Les évangiles sont une christologie de façon euh, narrative. Les évangiles sont littéralement Dieu qui marche parmi les hommes. Les évangiles sont la chose la plus proche qu'on a d'une biographie du plus grand homme ayant jamais marché euh, sur terre. Et euh, on trouve quatre évangiles dans la Bible. Hein. Et quand on s'y attarde un peu. On peut voir que les auteurs des évangiles racontent sensiblement les mêmes choses, mais d'une perspective différente. Hein. Quand on compare les évangiles, on voit fréquemment que Marc est plus concis. Euh, plus bref que les autres euh, auteurs. Euh, Marc a cette tendance à être un peu plus direct. Hein. Il donne des faits alors que les autres nous donnent un peu plus de détails. Mais dans le cadre, euh, dans le cadre de l'histoire qu'on qu qu va regarder euh, à, à, dans quelques instants, euh, d'ailleurs cette histoire, on la retrouve dans, dans Matthieu et dans Luc. Euh, étonnamment, c'est Marc qui donne le plus de détails. Donc, regardons à l'épisode où Jésus dort au milieu d'une tempête. Euh, je vous dirais que jusqu'à aujourd'hui, euh, cette histoire capte l'attention des gens de tous âges. Euh, si vous cliquez et vous faites une recherche sur Google, euh, et vous cliquez J Jésus dans mon bateau, vous allez voir que les premiers titres euh, qui vont sortir font référence à une chanson euh, qui a fait fureur euh, dernièrement et qui fait directement euh, référence à notre passage à l'étude, euh, ce qui semble avoir débuté euh, par un cri de ralliement d'un groupe de jeunes adultes chrétiens qui disaient J Jésus dans mon bateau, J Jésus dans mon bateau. Euh, ce cri de ralliement est littéralement devenu une chanson virale sur Internet. Donc, donc plongeons nos regards à l'intérieur de ces quelques versets-là pour contempler les vérités qu'on peut y retrouver. Je vous prie de tourner avec moi dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Je débute la lecture. Le soir de ce même jour, il leur dit, Passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule. Ils l'emmenèrent comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vents se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui disent Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Réveillé? » Il rabroua le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous peureux N'avez-vous pas encore de foi Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, Qui donc Qui est-il donc celui-ci Que même les vents et la mer lui obéissent. Qui est-il donc celui-ci quand même, les vents et la mer l'obéissent. Vous savez, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire dans, dans ce récit. Euh, alors que les, les vents et les vagues euh, secouent avec violence euh, l'embarcation des disciples, Jésus, lui, il dort bien relax. Et ensuite, il se lève et il parle au vent et à la mer, comme, comme peut-être un père parle à son enfant, et les éléments de la nature l'obéissent sans broncher. Ça frappe l'imaginaire, littéralement. Premièrement, en guise de contexte, il faut comprendre que Jésus a fait la journée à enseigner les foules. Ça, il faut, il faut, faut, faut comprendre ça. Il était sur un bateau, les gens étaient sur la rive et il enseignait. Au verset 36 du même chapitre, euh, au verset 36, est la mention de Ils l'emmenèrent comme il était fait probablement référence au fait qu'ils n'ont qu qu pas été sur la rive après les enseignements de Jésus pour ensuite prendre le large, comme ils étaient déjà dans l'eau sur un bateau. Ils ont simplement entamé la traversée de la mer. Jésus voulait probablement aller directement là, de l'autre côté du lac sans le délai qu'aurait causé le fait là, de se rendre sur la rive près de la foule. Bref, Jésus était fatigué. Jésus voulait aller se reposer. D'accord. Maintenant, un peu plus de contexte également. Euh, il faut comprendre que la situation euh, géographique euh, fait en sorte que la mer de Galilée était particulièrement euh, susceptible aux tempêtes euh, soudaines et violentes. Hein. Et, et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, il est dit que si vous vous rendez à la mer de Galilée, vous serez certainement averti par les personnes qui s'occupent du bateau qu'il y a toujours un, 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 un certain risque de tempête sans avertissement à cet endroit-là. Okay? Et il y a des raisons climatiques et géographiques qui expliquent ça. La surface de la mer de Galilée se trouve à, à 700 pieds au-dessous du niveau de la mer, ce qui, ce qui en fait le lac d'eau douce le plus bas de la planète. Hein? Et comme elle se trouve au fond de la vallée du Jourdain, euh, elle est entourée de collines, de collines et de montagnes. Les, les, les vallées entre ces montagnes peuvent canaliser les vents euh, qui viennent de l'ouest de la mer Méditerranée ou euh, de l'est du désert. Euh, ces vents peuvent provoquer des violentes tempêtes. Et c'est justement ce qui s'est produit lorsque Jésus et ses disciples ont euh, traversé la mer. Dans, euh, dans l'évangile euh, de Marc, il s'agit du premier. Euh, récit d'une série de récits historiques qui, qui vont dépeindre Jésus comme ayant le pouvoir de faire des grands euh, miracles. Hein. Et ce qui, ce qui précède justement notre texte, ce sont des, des enseignements de Jésus. Vous allez y voir plusieurs paraboles. Et on voit dans ce récit... Euh, euh, dans, dans notre essai à l'étude qu'on qu qu vient de lire, qu'il a autorité sur la nature. Euh, littéralement, ici, si vous continuez un peu votre lecture, vous allez voir que il est démontré qu'il a autorité sur les démons, sur la maladie et même euh, sur la mort. Donc, on comprend que Jésus a passé sa journée à enseigner. On est maintenant en soirée. Il veut aller se reposer avec ses disciples. Parfait, tout est normal, ça se passe bien. Jésus dit Allons euh, de l'autre bord, traversons le lac, allons sur l'autre rive. Et c'est ici que les choses tournent au vinaigre. Euh on a ici des marins aguerris, on a des pêcheurs chevronnés qui se trouvent soudainement au milieu d'une tempête. Mais, mais, mais ça ne devait pas être une tempête comme les autres. Hein? Comme, comme je l'ai mentionné plus tôt, on sait que les eaux de cette mer sont pas réputées pour être paisibles. Ces marins expérimentés devaient être habitués aux caprices de la mer de Galilée. Et pourtant, dans notre texte, on discerne un certain affolement de la part des disciples. Le texte nous dit que des, des forts vents se lèvent et que le bateau commençait à se remplir d'eau littéralement. Ok, mais maintenant, voici un détail important. J'aimerais souligner un détail important qui peut passer inaperçu au lecteur. Si on y réfléchit bien, c'est Jésus qui a dirigé les disciples dans la tempête. Ouais, c'était pas accidentel cette excursion marine a pris place sous les ordres et les désirs de Jésus. La tempête n'a pas pris par surprise Jésus, c'était, semble-t-il, intentionnel. Et juste ici, juste ici, on peut tirer une première leçon. On ne devrait pas être euh, alarmé ou surpris par les surprises de notre vie. Vous savez, de la même façon que Jésus était bien au courant qu'une euh, qu tempête allait faire rage à, à, quand il a dit à ses disciples allons de l'autre bord qui n'était pas surpris par l'événement, euh, ben, de la même façon que Dieu connaît euh, les tempêtes qui viennent secouer notre vie. Hein? On, on, on peut comprendre là que euh, comme la tempête du récit qu'on vient de lire, il se peut que tu sois dans la volonté de Dieu dans une tempête. Oui, la volonté de Dieu implique des tempêtes dans nos vies. Donc, le, le principe là, que si tu es chrétien ou tu suis Dieu, tu devrais pas avoir de problème, est simplement faux. OK? Ce n'est pas l'Évangile, ça. Au contraire, dans Luc 9, 23, il est écrit euh, Puis, s'adressant à, à, à tous, il dit, c'est Jésus qui dit Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il renonce à lui-même. On, on est loin d'une vie là, euh, ou d'une apparence d'une vie sans tempête ici là. C'est le théologien euh, euh, Daniel Akin qui, qui dira que les tempêtes sont des moments divinement ordonnés. Dieu y travaille pour nous révéler qui il est, qui nous sommes et qui nous avons besoin. Euh, les épreuves et les tempêtes, les difficultés et les moments où nous sommes désespérés sont les moments où Dieu accomplit sa plus grande œuvre euh, dans nos vies. Lorsqu'il nous amène au bout de nous-mêmes, c'est à lui et à lui seul que nous nous adressons en tant que sauveur. S'il n'agit pas nous ne serons pas sauvés. Dans les euh, quelques versets de notre texte, on peut voir la divinité de Jésus et son humanité aussi. On voit clairement euh, son, son, son humanité alors qu'il sommeille la tête sur un coussin. Hein? La, 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 la Bible nous enseigne à plusieurs endroits euh, son humanité. Vous savez, Jésus a eu faim. Euh, le texte nous dit, la, la Bible nous dit que Jésus pleure, euh, Jésus est triste, Jésus dort, comme il est mentionné ici, et Jésus meurt. Hein? Jésus peut euh, nous comprendre euh, parce qu'il a été pleinement euh, humain. Parce que parfois, euh, on, on voit Jésus comme s'il si, comme était Superman. Autrement dit, de l'extérieur, il ressemble à un, un humble euh, paysan euh, galiléen, mais c'est comme si euh, sous sa robe, il y, a, il y a un gros S pour Superman ou pour Sauveur. On pense qu'il n'a pas euh, souffert comme nous. Et ce, qui, ce que ça fait, ça, c'est qu'on n'apprécie pas pleinement euh, l'humanité euh, de Jésus. Et pourtant, et pourtant, Philippiens 2, 5 nous dit qu'il est venu humblement, hein, qu'il a mis de côté l'usage continuel de ses attributs euh, divins, que Dieu s'est fait homme pour réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu et qu'il l'a fait humblement en tant que notre prêtre, notre intercesseur, notre avocat. C'est pour quoi que, que l'Épître aux Hébreux. Euh, dit que nous n'avons pas un grand père prêtre incapable de combattre à nos faiblesses, mais qu'il est passé parce que nous avons traversé. Il comprend ce qu'on endure. Il comprend ce qu'on endure. Jésus était pleinement humain. Dans notre texte là, on voit qu'il était euh, à la fin d'une journée exigeante. Jésus est épuisé, épuisé au point qu'il s'endort au milieu d'une tempête. D'ailleurs, c'est le seul endroit. Euh, dans la Bible, est-ce qu'il qu est mentionné que Jésus dort. Donc, on, on voit ici qu'il est humain. Mais j'aimerais porter votre attention sur quelque chose. Il fait pleinement confiance à la providence de Dieu. Il a pleinement confiance que Dieu prend soin de lui. Les, 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 les marins, la chevronnée que sont les disciples, sont peut-être terrifiés, mais le charpentier de Nazareth dort profondément. C'est Lottie Moon, une missionnaire américaine qui a œuvré en Chine, qui est réputée avoir dit J'ai la ferme conviction que je suis immortel jusqu'à ce que mon travail soit terminé. Fin de la citation. Tant, tant et aussi longtemps que le, notre Seigneur ne nous a pas appelés à la maison, tant et aussi longtemps que le moment qu'il a appointé n'est pas arrivé, nous sommes immortels. Hein? Tu ne partiras pas une minute avant ou une minute après le moment que Dieu a choisi. Peu importe ce que tu fais. Jésus savait que son temps n'était pas venu. Jésus savait qu'il devait aller à la croix. OK. Quand on regarde à notre texte, là, on voit euh, une réaction humaine tout à fait, tout à fait normale euh, de la part des disciples face à quelque chose de, de soudain qu'ils ne peuvent pas contrôler. OK, mais, 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 mais est-ce que c'est la réponse spirituelle qu'on s'attendrait de la part d'hommes qui ont côtoyé Jésus? Et, 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 et regardons bien les paroles utilisées par les disciples. Là, OK? On voit que les disciples interpellent Jésus, premièrement en disant, Maître, très bien, très bien, ça, ok? C'est un signe d'honneur et de respect, c'est bien. Ils disent, Maître, nous sommes perdus, c'est comme ça qu'ils débutent, très, très bien. Ok? Oui, il faut amener nos situations dans la prière à Jésus, et c'est littéralement ce qu'ils font. Mais par la suite, et c'est là qu'il y a un faux pas, ils disent, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. Donc, ce qu'ils font ici, subtilement, mais pas trop subtilement, ils remettent en question sa bonté et son amour pour eux. Et sincèrement, c'est vrai que c'est sous les indications de Jésus qu'ils se retrouve devant cette tempête, dans cette situation. C'était son idée d'aller de l'autre côté. Et les elle peut dire aussi, tu sais quoi, moi j'ai tout quitté pour te suivre, j'ai laissé euh, famille et amis pour te suivre, et maintenant tu m'amènes dans une tempête et, et tu dors bien relax. Donc là, on voit une série de reproches dans notre texte. La première des reproches, c'est les disciples qui reprochent Jésus parce qu'ils sont frustrés par ce qui paraît comme être de l'indifférence de la part de Jésus face à une situation désespérée, ils se permettent de remettre en question son, intégr... remettre son intégrité. En question. Ils vont l'invectiver au poliment au lieu d'exhiber une foi et une confiance en lui, qui s'est pourtant prouvé comme étant digne de confiance. Mais est-ce qu'on peut réellement juger les disciples? Est-ce qu'on est, qu est mieux que Combien de fois Jésus s'est manifesté comme étant celui qui prend soin de moi Combien de fois il a été euh, bon à mon égard combien, 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 combien il est bon pour nous Et pourtant, quand les épreuves viennent nous troubler et quand la surprise nous surprend, euh, on, on se fâche ou encore euh, le stress et l'angoisse nous, nous prend par la gorge, puis on le remet en question plutôt que de faire preuve de foi. C'est euh, Spurgeon qui va dire, Dieu est trop sage pour errer, trop bon pour être méchant, cesse de douter de lui et commence à le faire confiance. Ce faisant, tu mettras une couronne sur sa tête. Dernièrement, euh, Karen et, 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 et moi, on s'est rendus euh, chez des amis, une famille qui est, qui est chère à notre cœur. Et, et, et ce n'est pas la première fois qu'ils qu 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 nous reçoivent. Et ils ont l'habitude, ils ont l'habitude. Donc, quand, quand je suis arrivé, ils ont eu la, la gentillesse de dire au chat, « OK, OK, va là-bas, va là-bas. » Et là, je lis dans vos pensées. Euh, « Mais pourquoi ont-ils fait ce geste? »« Well, je vais faire une confidence ici <laughs> et, et, et j'espère que je ne vais pas le regretter. Je me mets ici très vulnérable devant vous. Euh, » J'ai peur des animaux. OK, OK. Mais, 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 maintenant, j'aime dire que j'avais peur des animaux. Aïe, aïe, aïe. OK. Euh, quand mes autres là, ont commencé à éloigner euh, le, le, le dit chat de moi, j'ai dit non, 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 ça va. On ne fait plus ça. Puis là, ils ont dit oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai dit ah, je, je travaille sur ça, je travaille sur ça. Et Dieu fait une œuvre nouvelle en moi. Vous pouvez laisser le chat, là, librement, là, aller, là. Et là, ils étaient vraiment, mais vraiment surpris. Puis là, il y a une personne qui m'a demandé, « Mais, mais qu'est-ce qui est arrivé, Ralph? D'où vient ce changement? » Well, sincèrement, ça remonte euh, à un temps que j'ai eu avec Dieu durant le temps des fêtes, là, qu'on vient d'avoir. Euh, et, 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 et je lisais la parole et j'ai vu que Dieu dit à Adam qu'il allait dominer sur la terre et les animaux, ou au moins, les animaux dominaient sur moi, aussi petit qu'ils puissent être. Et, et je trouvais que c'était un peu un non-sens. C'était un peu un non-sens parce que... Et aussi, bien ça moi, je me trouvais un peu niaiseux. Okay? C'est ça, moi, là, comme je suis relativement grand, puis un petit chat me fait peur. Tu sais, il y a quelque chose qui n'a qui, qui, qui pas un rapport là-dedans. Et puis, puis là, je tiens à dire, là, venez pas faire votre... Docteur douletol avec moi, vous vous prenez pas pour un, un participant actif dans la thérapie d'Oral envers les animaux, okay? s'il vous plaît. Bref, okay. donc la lecture de la parole, c'est vraiment la lecture de la parole qui a vraiment initié ce changement, mais j'ai aussi une autre raison. Je voudrais pas donner, passer ma, ma peur à ma fille. Je voudrais pas qu'elle, elle grandisse avec une crainte euh, des animaux. Maintenant, c'est vraiment spécial comment je pouvais être dans la même pièce que plusieurs autres personnes, mais s'il y avait un chat ou un chien, mon expérience dans cet endroit était vraiment pas similaire aux autres. Les autres pouvaient être en paix, joyeux, ils pouvaient flatter. Je me rappelle, j'avais peur, mais j'enviais ces gens-là qui flattaient euh, les animaux, euh, souriants. Euh, mais moi, moi, mon cœur battait fort. J'essayais de me convaincre que ça allait, mais ça n'allait pas. J'étais dominé par euh, la peur, une peur non fondée. Maintenant, je prends cette illustration pour exprimer euh, une vérité. J'aimerais que tu puisses remettre en question euh, tes peurs tes angoisses et tes craintes à la lumière de Dieu. S'il si, si, si a débuté cette œuvre en moi, dans ma, tante, dans ma trentaine, ça me démontre qu'il n'y a pas d'âge pour laisser Dieu s'attaquer à nos peurs et nos craintes. Moi, c'était euh, les animaux, et encore une fois, je parle à l'imparfait, mais s'il vous plaît, c'est a work in progress, comme il dit. C'est un travail qui, qui chemine, donc venez pas me tester avec vos animaux, s'il vous plaît. Ok Bref, ok moi, c'était les animaux qui étaient la source de ma peur. Toi, c'est quoi toi, c'est quoi? Je ne sais pas ce qui te fait figer de peur ou ce qui te garde éveillé la nuit, mais ce que je sais, c'est que par la grâce de Dieu, tu peux changer. Dieu, Dieu se soucie euh, de toi. Contrairement à ce que les disciples semblent croire, Dieu euh, se soucie euh, euh, de toi. Et s'il se soucie de quelque chose que certains pourraient considérer comme étant loufoque, comme ce que je viens d'exposer, crois-moi, il se soucie de tes problèmes, il entend tes pleurs et il réconforte ses enfants. Yeah. All right. Dans notre texte, on voit, comme on a vu tantôt, on, on voit l'humanité de, de Jésus, mais on voit aussi la divinité de Jésus qui est à l'œuvre. Euh, en, 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 en réponse aux paroles peu charitables des disciples, Jésus y va d'une petite phrase bien simple. Il a pas, pas d'incantation magique, pas de fla-fla. Il fait simplement dire, silence, tais-toi. Et la réponse, la réponse du vent et de la mer fut immédiate parce que leur maître a parlé. Les, les vents violents s'arrêtent à une seule parole. Se, seul Dieu peut faire ça. Et c'est dans cette direction que Jésus cherche à, à conduire les disciples. C'est comme si euh, on peut y, y, y discerner un arôme, une fragrance créationnelle dans notre texte. De la même façon que, que que Dieu a commandé à la lumière d'être et qu'elle fut, c'est la même façon que Jésus a, a dit Silence, tais-toi, et vents et mers se sont tues. Regardez ce que le psaume 89, au verset 9, dit Dieu des armées, qui est puissant comme toi, Seigneur C'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Jésus est ce Dieu qui calme les tempêtes. Après avoir euh, adressé la tempête, hein? donc ça c'était le deuxième reproche. Premier reproche, les disciples qui reprochent Jésus. Deuxième, <laughs> Jésus qui reproche euh, les vents et, 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 et la mer. Troisième reproche, Jésus s'adresse maintenant à ses disciples. Et là, il, il va leur dire Pourquoi êtes-vous peureux N'avez-vous pas encore de foi parce que cette tempête était en réalité un moment d'enseignement. Ok euh, dans, dans la tempête, au lieu d'avoir confiance en Dieu, les disciples accusent Jésus de les avoir abandonnés. Et, et, et d'ailleurs, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que Jésus va souligner le manque de foi euh, des disciples. Et, à vrai dire, là, jusqu'à ce qu'ils voient Jésus ressuscité, puis qu'ils saisissent euh, son œuvre à la croix, on voit que les disciples titubent un peu sur ce sujet. Mais J'aimerais également souligner là, que ces hommes devaient être fatigués également. Eux aussi, là, ils ont passé la journée à faire du ministère avec Jésus, à œuvrer avec lui. Ils ont pris soin des foules toute la journée. Eux aussi, ils étaient exténués. Donc, on serait tenté de justifier leur action ou leur réaction par euh, leur fatigue. Mais pas Jésus. Jésus leur reproche leur manque de foi. C'est euh, le théologien Matthew Henry qui dira. Ils ne leur reprochent pas de le déranger par leur prière, mais de se déranger eux-mêmes par leur crainte. Hum. Et nous, maintenant, en 2023, là, de l'autre côté de la croix, nous qui avons la parole de Dieu entre nos mains, nous qui avons une révélation plus complète qu'eux à ce moment, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse. On sait que Jésus est tout puissant, qui connaît toutes choses. On sait qu'il a réglé euh, notre péché à la croix, qu'il est ressuscité des morts. On sait euh, ce chose, ces choses-là. Le chrétien sait euh, qu'il est digne de confiance. Alors pourquoi, pourquoi on manque de foi? Quand tu prends tes circonstances et que tu mets Dieu dans l'équation, c'est quoi le résultat? Est-ce que pour toi, c'est de l'espoir, du courage, de la paix? Ou c'est de l'inquiétude, de la panique et du stress. Circonstance plus Dieu, ça égale quoi? Ça égale quoi pour toi? Je vous dirais que la réponse est intimement liée à comment tu perçois Dieu. La tempête peut faire rage à l'extérieur, mais si j'ai le Dieu qui contrôle toutes choses, et ça inclut euh, les tempêtes, ça, je n'ai pas besoin d'avoir peur. La tempête à l'extérieur, euh, le calme à l'intérieur. Jésus a ce pouvoir de calmer euh, la tempête. Même quand la tempête fait rage à l'extérieur, à l'intérieur, il y a une tempête externe, il y a une tempête interne, mais à, à l'intérieur, la tempête cède la place à la paix. J'ai déjà euh, raconté que... Un des emplois que j'ai occupé euh, par le passé, c'était d'être agent de bord. Et, et, et je me rappelle euh, d'une situation que j'ai vécue. Euh, je dois vous dire que je n'étais pas vraiment à mes débuts. Ça faisait déjà plusieurs mois que... que donc j'avais quand même un peu d'expérience avec des vols. Et, 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 et je me rappelle que euh, alors qu'on était en plein vol dans un avion et puis que j'étais assis au fond de l'avion dans... Euh, à l'endroit où est-ce que les, les, les agents de bord prennent place, euh, soudainement, et pour aucune raison, j'ai commencé à réaliser que... Même si je regardais la porte qui était à côté de moi, puis j'ai réalisé que... Il hmm. y a juste quelques centimètres de métal qui me séparent du vide. Et, et, et là, sur mon, mon, mon siège, j'ai réalisé que comme l'homme n'est est pas fait pour voler qu'est-ce que je fais là OK et vraiment vraiment là c'est inexplicable j'avais fait j'ai déjà été dans cette j'avais déjà été dans cette position mais et, et maintes fois mais là là soudainement j'ai fait comme hé, hey! et vraiment j'ai commencé à angoisser et, et j'ai dû vraiment reprendre mes sens j'ai vraiment dû j'ai vraiment dû me parler j'ai dit oh, 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 oh. comme toi Ralph, tu as, as fait ça des, des dizaines de fois voire des centaines de fois ça va bien aller, ça va bien aller. Une chance que les passagers ne me regardaient pas parce que s'ils regardent un agent de bois affolé comme eux, non, en tout cas, bref. Je ne pense pas que de l'extérieur j'étais affolé, là, je regardais sans. Bref, oh, je reviens. OK. Euh, parfois, 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 il y a des situations de la vie de tous les jours qui, euh, pour je ne sais pas pour quelle raison, ils viennent, ils viennent nous surprendre et on était en paix avec cette situation. Et Là, boum, d'un coup, ça vient nous chambouler. Et parfois, euh, c'est pas des situations de la vie de tous les jours qui viennent nous chambouler, c'est l'inattendu qui frappe. Était submergé par la peur. Un jour, un pasteur a dit :« La foi chasse la peur ou la peur chasse la foi. <laughs> » C'est seulement euh, la foi qui a le pouvoir de vaincre euh, la peur. C'est seulement la crainte de Dieu. Qui me libère des peurs de la vie. La, la vie est remplie, la vie est remplie de péripéties. On va se trouver dans des, euh, de nombreuses situations qui, qui vont dépasser nos capacités et notre sagesse. Et dans ces moments-là, dans ces moments-là, la seule façon que notre cœur euh, pourrait être en paix, c'est si on met notre foi en Dieu, si on craint Dieu plus que tout, toute autre chose. Quand on est saisi par son amour, par sa grâce, c'est seulement cette foi, euh, cette crainte euh, qui a le pouvoir de chasser euh, toute chose qui t'effraie. C'est Paul Tripp qui va dire, la foi, c'est porter en soi une crainte de Dieu si profondément enracinée qu'elle permet d'espérer et donne du courage dans les situations où l'on aurait eu peur auparavant. Hum. Hum. Donc oui, euh, Jésus a délivré les disciples d'un mal imminent, mais plus que ça, il a démontré son identité, sa nature, qui il est. Quand Jésus a dit à la mer et au vent, silence, tais-toi, tout était calme. On dire tout était calme sauf les disciples, parce qu'ils sont restés agités. Non, par les, euh, le vent et les vagues à l'extérieur du bateau, non, ça avait cessé, mais, mais, mais par l'homme à l'intérieur euh, du bateau. Re, re, regardons le texte. Le vent et un grand calme se fit, puis il leur dit Pourquoi êtes-vous peureux, n'avez-vous pas, euh, pas encore de foi Et c'est là que le texte nous dit Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils furent saisis d'une grande crainte. Et là, notre texte se termine sur une question. Et ça, je vous dirais que c'est une question qu'on qu doit tous faire face. Le texte dit Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres Qui exil -ce donc celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent Et là, en arrêtant la scène ici, en créant une fin ouverte, c'est comme si Marc laisse le, le lecteur réfléchir à la réponse à cette question-là. Euh, le texte nous dit qu'ils étaient terrifiés, qu'ils furent saisis d'une grande crainte. Maintenant, réfléchis bien, de qui devrais-tu avoir euh, plus peur, de la tempête ou de celui à qui la tempête obéit la, la, la présence de Dieu fait plus peur que la tempête qui faisait rage. Dieu devrait te faire plus trembler que la nature qui se déchaîne. La, la nature qui se déchaîne peut prendre ta vie, Dieu lui, il fait ce qu'il veut avec ton âme. D'ailleurs, Luc 12, 4, va, Jésus va dire, je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent euh, rien euh, faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué à l'autorité pour jeter dans la GN, Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Huh. Si, d'ailleurs, si Jésus est réellement ce qu'il dit être, un miracle de cette envergure n'est pas incohérent avec ses affirmations. À trois reprises, à trois reprises dans, notre, dans les quelques versets qu'on a vus, Marc utilise les mots grand ou fort. La traduction en latin utilise le mot magna et, le, et le, le, le grec emploie le mot méga. Et ces deux termes font référence à quelque chose de très gros, de très large. Okay? Donc la première fois que Marc utilise ce mot, c'est quand il parle de la tempête. Donc c'était pas juste une tempête, c'était une forte tempête, c'était une méga tempête qui surpassait les tempêtes usuelles de cette mer. La deuxième fois, c'est quand Marc dit euh, que suite à la méga tempête, il y a eu un méga calme. Hein? Le, le chrétien peut être habité de ce méga calme au milieu d'une méga tempête. Mais c'est la troisième utilisation là qui m'attire particulièrement, qui capte mon attention. Marc l'utilise pour parler de la crainte qui s'emparait des disciples. Le verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande crainte, d'une méga crainte. Ils se disaient les uns aux autres, qui, qui est-il donc celui-ci quand même le vent et la mer l'obéissent On dirait même qu'il y a une certaine gradation. Hein? Quand, quand la tempête est arrivée, oui, on voit que les disciples ont peur, on voit qu'ils sont intimidés, mais c'est lorsque sous les ordres de Jésus, la tempête cesse et que le calme arrive, c'est ici que le texte nous parle d'une grande euh, crainte. Vraiment intéressant de noter que leur plus grande crainte était après la tempête. C'est le feu R.C. Sproul qui va dire « L'intensification de leur crainte et leur réponse à une compréhension plus profonde sur la personne de Jésus. » Si vous regardez euh, à une liste des phobies les plus répandues, vous, vous pourrez être euh, surpris. Euh, plusieurs entités ont tenté là, de dresser... Euh, une liste des phobies, et phobies les plus répandues. Et, et, et une qui revient quand même à quelques reprises en tête de liste, c'est la, la glossophobie. Donc, autrement dit, la peur de parler en public. Et, et il y a toutes sortes de phobies. Hein? On peut parler de la claustrophobie. Euh, ça, c'est la peur des espaces confinés ou des petites pièces. On peut parler de l'arachnophobie, peur des araignées. On peut parler de la pyrophobie, peur du feu. Et, et, et maintenant, euh, il est maintenant question de nomophobie. Donc, la peur d'être séparé de son cellulaire. Une autre euh, grande phobie est la peur de, de l'étranger, des gens qui sont euh, différents. Et ça, on appelle ça de la xénophobie. Et quand les gens ne sont pas habitués avec leur comportement ou les habitudes d'autrui et qu'ils y attachent une certaine peur, c'est là qu'on veut parler de la xénophobie. Et vous savez, Hollywood est passé maître dans l'art d'utiliser cette peur de l'étranger avec des films justement là sur les extraterrestres pour faire peur. On pourrait dire. On pourrait dire que ce que les disciples expérimentent dans notre texte est l'ultime xénophobie parce que cet homme était vraiment différent de tout homme. Mais ils disent en anglais, He's built different. OK? Il était vraiment différent. Les, les, les disciples viennent de voir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, qu'ils ne pouvaient pas comprendre et concevoir, et ils savaient, c'est comme si ils, ils ont ils ont saisi qu'ils étaient en présence du divin ici. Jésus, Jésus est vraiment dans une classe à part. Jésus est dans une, une ligue à part. Et ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur. D'une façon inconsciente ou consciente, vous savez, on essaye constamment de classer les gens. On essaye constamment de classer les gens. Quand les gens, quand quelqu'un est souriant. Euh, on, on dirait qu'elle est plus gentille, que c'est plus euh, sécuritaire d'être auprès d'elle. Quand quelqu'un a un peu la rage dans le regard, euh, mais tu sais quoi, on va traverser la rue. Hein? Hein? Donc, on, on catégorise les gens. Et il y en a qui sont dignes de confiance, il y en a qui sont dangereux, il y en a qui sont gentils. Mais, mais il n'existe pas de catégorie pour quelqu'un à qui les vents et les vagues obéissent. Oui, on les disciples, ils aimaient les enseignements de Jésus. Alors, et, au point de le suivre, ils aimaient les œuvres, ils ont passé la journée avec lui, ce qu'il faisait avec les gens. Mais là, wow, 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 c'est différent. C'est cute de guérir un malade, mais d'ordonner les vents. Alors là, ils étaient saisis d'une grande crainte. C'est Arsie qui va dire encore Si le Christ, dans sa majesté, frappait à votre porte ce matin, vous ne lui diriez pas, hey! Non, au contraire, vous tomberiez par terre lorsque le Christ est ressuscité dans sa gloire et la manifestation de sa sainteté apparaîtra. Toutes les créatures tomberont à ses pieds parce qu'il est autre, il est saint. Cela signifie que non seulement les gens tremblent à sa voix, mais que les mères qui, qui n'ont pas d'oreilles écoutent ses ordres et les vents qui n'ont pas de connaissance en savent assez pour cesser de souffler lorsqu'il dit à toi. Tel est notre Seigneur. Wow. Donc là, là les disciples réalisent que comme oh, ok. Ce là c'est plus qu'un prophète. C'est plus qu'un rabbin qui enseigne vraiment bien. Là. Ils se rendent compte qu'ils sont en présence du divin et ils ont une réaction juste. Ils sont saisis de crainte. Ces hommes-là connaissent les psaumes où est-ce qu'il est dit que « Le vent et les vagues sont sous la juridiction de Dieu qui a créé les cieux et la terre. » Et ce Jésus qui est venu est-ce Dieu Créateur et souverain au point où le vent et les vagues lui obéissent? Lorsque j'approche de la fin, mon ami, j'aimerais te dire que un jour, tout genou fléchira et reconnaîtra qu'il est Dieu. Qu'ils y soient contraints ou qu'ils le fassent par adoration, tous les hommes, toutes les femmes fléchiront le genou devant Dieu. Maintenant la question c'est est-ce que tu vas être contraint de le faire ou tu vas le faire par amour adoration et révérence. <laughs> si vous regardez euh, attentivement euh, au texte vous allez voir qu'il existe plusieurs parallèles entre euh, Jésus et Jonas, ce prophète de l'Ancien Testament qui s'est fait engloutir là, par un grand poisson. Les paraboles, les parallèles pardon, entre Jésus euh, pesant la tempête et l'histoire de Jonas ne devrait pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que Jésus s'est appelé lui-même le vrai Jonas en Matthieu 12, 40. Il est le vrai Jonas qui a été euh, consumé par la mer houleuse de la colère de Dieu alors qu'il était suspendu à la croix. Il a enduré la tempête pour que nos âmes puissent trouver la paix et être sauvées. Jésus a calmé la seule tempête qui pouvait vraiment nous noyer, la colère et le jugement de Dieu. Et il est descendu dans la tempête pour en ressortir trois jours plus tard comme celui qui a calmé la juste colère de Dieu contre ses pécheurs, contre les pécheurs. Et maintenant, par sa grâce, nous sommes enfants de Dieu, héritiers du grand roi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent. C'était la parole pour aujourd'hui.